Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce petit enregistrement, on va voir ensemble euh, ben, des sujets qui ont un trait à la charte graphique, à l'identité graphique, au branding. En fait, euh, tout est parti en fait, d'une du, discussion que j'ai eue avec Emmanuel Lecujich euh, qui est en fait directeur artistique, euh, qui en fait, euh, ben, est à votre disposition d'ailleurs pour des, des projets, euh, sur lécugy.com, l e c u gy.com. Donc Emmanuel et moi, on discutait de tout ce qui était modernisation d'une image de marque, d'échecs de, en fait de certaines marques, ou au contraire de succès de certaines startups sur leur branding. Et donc en fait, on, était, on avait trouvé une, une citation intéressante qui a été faite par Jeff Bezos, euh, le DG d'Amazon, qui disait le branding, c'est ce que les gens pensent de vous quand vous n'êtes pas là. Donc c'est un peu comme l'irréputation de la notoriété. Et on avait évoqué pas mal de sujets, euh, en particulier par exemple les, les, les grosses euh, erreurs. Qu'il y a eu par exemple Gap qui a changé de logo pour un logo un peu crap. Comme disent les américains et qui est revenu à un logo gap en fait. Voilà en, en discutant avec euh, donc Emmanuel, c'est vrai qu'on se disait que il euh, bah, y avait comme des efforts à faire. surtout que plus on, plus on sera une petite entreprise, plus on sera une startup, plus on sera vraiment euh, quelque chose qui sera euh, petit par rapport au leader, plus il sera essentiel d'avoir une, une identité graphique et un branding qui sera euh, bah, plein de sens. Euh, comme ils disent, les américains disent le terme bold en fait, qui est du relief qui est en fait de la personnalité parce que tout simplement il faut que les gens se remémorent de, de qui vous êtes de ce que vous avez fait etc donc en fait la charte graphique euh, et l'identité graphique c'est souvent en fait on va se décliner sur différents supports carte de visite etc etc donc le branding en fait c'est l'ensemble des actions ça peut être la communication le content marketing les publicités etc etc afin donc de se positionner dans, dans l'esprit du, du consommateur donc en fait euh, par exemple le, 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 le branding le branding aussi c'est le nom du produit quand en fait on va euh, créer un nom de produit il faudra un petit peu mettre du sens là-dedans. Après, bien sûr, il y a pas mal de, euh, de, de gens qui trouvent des noms qui sont euh, liés à, à d'autres choses. Par exemple, il y a des gens comme eBay ou Sapporo qui utilisent en fait des, des lieux géographiques. Encore, vous avez des, des, des parfums, des choses comme ça qui s'appellent Paris, Versailles et compagnie. Euh, vous avez également des ingrédients. Par exemple, euh, Milka pour le lait. Euh, on peut créer des néologismes. Kodak, Verizon, etc. etc. On peut personnifier. Par exemple, euh, Géant Vert, Monsieur Muscle, etc. etc. Euh, on peut peut également euh, utiliser de l'humour ou euh, du vocabulaire comme Yahoo, Boeing, etc. Ça peut être également euh, des, des petits, des petits surnoms, nicknames, Haribo, etc. Ou également des onomatopées, topé comme Twitter, etc. Meowmix. Euh, ou alors essayer en fait tout simplement de combiner euh, des mots comme Pinterest, pin intérêt. Pinterest ou à, à l'Italia, Ritalia en fait. voilà Donc en fait, le, le, le nom en fait, comme ça, euh, est assez complexe à trouver. Moi j'ai un article complet, hein, vous pouvez regarder sur mon site internet, vous cherchez euh, comment trouver un bon nom de marque. Euh, j'ai écrit une méthode avec, enfin euh, un article avec à peu près 7-8 méthodes qui permettent de trouver un, un nom euh, de domaine ou un nom de produit euh, parce qu'en fait c'est assez, assez complexe puisque à la fois il faut, on peut utiliser des, des critères, des raccourcis, de la phonétique, etc., etc. Donc en fait, trouver un bon nom qui soit lié à son brand n'est pas forcément évident. Voilà. Donc voilà, euh, comment on peut savoir justement que sa charte graphique ou son branding est un petit peu euh, ancien et qu'il est temps de le revoir bah, Déjà en fait bah, c'est dès que c'est un petit peu ancien, on va dire, euh, dès que votre charte graphique a 4-5 ans, il faut en changer régulièrement. Je vous donnerai l'exemple de conseil marketing hein, mon blog. Euh, le blog existe depuis 2011, non 2006, 2006, et en fait j'ai dû écluser déjà 6 ou 7 chartes, 6 chartes graphiques. Alors pour un blog c'est relativement simple puisqu'en fait il suffit de changer le thème et en fait euh, ben bah, vous avez juste à adapter le logo et changer, changer un petit peu le design mais si on compare en fait mon premier logo et celui que j'avais euh, à l'époque c'est euh, ça comme ça, ça crée une, une sacrée évolution avec plutôt du design flat alors qu'avant c'était plutôt de la représentation graphique le flat design étant un petit peu ce qu'on retrouve dans les euh, applications telles euh, que euh, Apple en particulier voilà donc comment on peut se dire voilà votre euh, votre charte graphique identité visuelle est un peu euh, un petit peu en has -been. Bah tout simplement en fait euh, de plus en plus de marques utilisent en fait les, les euh, la basse casse, donc les minuscules. Pour un nom de marque par exemple il y a deux ans de ça j'ai travaillé sur le rebranding de fsi fsi crm qui est un logiciel de crm et c'est vrai qu'on est passé sur un branding où tout, où tout le nom était été écrit en minuscule avec une un caractère un petit peu rond alors c'était une police spécifique hein, qui était payante mais c'est vrai que c'est vraiment la mode on n'écrit plus un logo en toutes majuscules on fait plus de, de sigles comme sncf vous voyez d'ailleurs oui hein, oui c'est à changer sncf et généralement même plus de majuscules en premier souvent c'est directement le nom euh, comme par exemple chez Vimeo. Il y a aussi des pas mal de typographies de type écrite comme Gabriel fayette Instagram, etc. etc. Et c'est vrai que le fait d'avoir un logo qui est en majuscule, en minuscule, écrit à la main, pas écrit à la main, change énormément. Euh, si vous regardez sur l'article de blog hein, qui est sur le site internet, on voit les différentes typographies utilisées pour écrire le mot Yahoo, euh, et ben en fait on voit que ça donne un sens qui est complètement différent et qui peut euh, aussi bien évoquer euh, un truc qui, euh, qui est technologique truc pour les enfants, etc. Après également, euh, ben, vous avez choisi peut-être à une époque un logo sans trop savoir euh, ben, à quoi ça correspondra, et pourtant en fait, euh, ben, chaque couleur a un sens, a une émotion. Par exemple, tout ce qui est, on va dire, orange euh, donne une idée en fait d'optimisme, de clarté, de chaleur, et c'est ce qu'on retrouve par exemple chez Nikon, UPS, chez Shell, Best Buy, Subway, euh, Ferrari, McDonald's, etc. etc. Après vous avez un petit peu le, la, la couleur qu'on va dire euh, saumon saumon, qui évoque en fait tout ce qui est amical, euh, qui, euh, amitié, tout ce qui est confidence C'est ce qu'on voit par exemple dans la chaîne américaine si vous connaissez, hein, la chaîne américaine Outos euh, C'est également Fanta, c'est par exemple Blogger, euh, c'est euh, Firefox, euh, c'est euh, VLC, tous ces trucs en fait qui sont plutôt copains, amis etc... Tout ce qui est rouge, par contre, c'est plutôt sur euh, tout ce qui est excitant, tout ce qui est jeune, tout ce qui est un peu fort. On, par exemple, c'est Coca-Cola, Kellogg's, Nintendo, euh, c'est Lego, c'est euh, Avis, c'est Canon, c'est KFC, c'est euh, ces gens-là. En fait, c'est un sentiment d'excitement un petit peu, d'excitation. Euh, après, il y a tout ce qui est créativité. Sagesse, euh, l'imagination, euh, c'est par exemple bah voilà, la créativité, c'est Yahoo! C'est par exemple aussi euh, Taco Bell aux États-Unis, c'est Barbie, c'est la, la chaîne Sci-Fi, etc., etc. Après, vous avez le, le bleu qui est extrêmement utilisé. Le bleu est extrêmement utilisé, pourquoi Parce qu'en fait, c'est tout ce qui est la confiance, la force. Euh, C'est par exemple ce qu'on voit euh, chez Danone, si on voit chez Dell, on voit chez HP, on voit chez Oreo, on voit chez Twitter, on voit chez Oral-B, on voit chez Vimeo, tout ce, ce, on voit chez WordPress également ce bleu. Qui donne vraiment de la force. Après, bien entendu, le vert, vous le connaissez, hein, c'est tout ce qui est euh, paisible, la santé, la croissance. Et ben, par exemple, la plupart des, euh, des, des, des trucs écolos sont, sont plutôt verts. Euh, Yves Rocher, par exemple, Tropicana, euh, John Deere, c'est les, 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 tout ce qui est tracteur, etc. est aussi dans cette couleur-là. Et tout ce qui est euh, gris, c'est plutôt. Euh, Calme, la, la, la paisible, etc. etc. La, la référence, c'est ce qu'on verra par exemple avec euh, Apple, c'est ce qu'on verra avec Wikipédia, c'est ce qu'on verra aussi euh, en noir avec euh, Puma, avec Nike, etc. etc. Honda, etc. etc. Donc en fait, choisir une couleur. Euh, C'est important de se dire que ça a un sens et parfois il faudra en changer régulièrement. Euh, par exemple, on discutait avec Emmanuel pour un, euh, un médicament. Ils avaient en fait choisi euh, deux couleurs qui étaient en fait la, la couleur euh, verte qui donnait le, la, la notion de santé pour un médicament, mais également un petit peu de couleur euh, violette pour donner un petit peu un aspect créativité parce que c'était un médicament un peu innovant avec une nouvelle charte graphique. Voilà. On aurait pu également mettre du bleu. Pourquoi du bleu Parce qu'en fait, ça aurait été euh, la notion de euh, de, 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 de force, de sagesse, de créativité, de confiance. Voilà. Donc avec ça, en fait, on, on se dit bah, quand je vais créer une marque, bah, je ne vais pas choisir par hasard une couleur particulière. Je vais choisir la couleur qui est la plus adaptée. Voilà. Après, euh, il y a tout ce qui est images. Les images, en fait, euh, bah, la tendance euh, il y a quelques années c'était d'aller reprendre les images qu'on trouvait sur euh, Photolia qui est devenu maintenant Adobe Stock, euh, chez euh, tous ces, 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 ces banques d'images gratuites. Le problème c'est qu'en fait, avoir ces, ces euh, sourires ultra bright, ces, euh, ces banques d'images un peu germaniques, etc., ça nuise à la crédibilité parce qu'on a vu 50 000 fois ce modèle là. Euh, on, on a plaisanté avec Emmanuel, Emmanuel et QJ, sur Ariane. Ariane, en fait, c'est un mannequin qui est le plus utilisé dans le monde. Monde, c'est une, une nana en fait qui a même sa page officielle et c'est vrai que elle a été utilisée à toutes les sauces <laughs> et c'est le cas de le dire parce qu'on la voit en cuisinier, on la voit qui fait du jogging, on la voit qui vend du logiciel, on la voit qui mange du pop corn qui boit une tasse, qui part en vacances, qui euh, mange une fraise, euh, qui fait du, euh, de la randonnée, qui fait du sport. Enfin bref, c'est assez marrant de voir que cette nana on la voit partout, partout. Elle a été utilisée des dizaines de milliers de fois. Forcément, euh, si elle est utilisée des dixièmes de milliers de fois, ben, l'impact va être beaucoup plus faible. Donc il vaut mieux utiliser les, les photos des salariés de l'entreprise, des vraies photos, et c'est vraiment la grande, grande, grande tendance actuellement. Voilà. Après, bien sûr, il y a le sens, hein, quelle est l'image que vous donnez euh, quand, euh, ben, quand, quand vous, êtes, vous avez créé votre entreprise et maintenant qu'est-ce qui a changé en fait. Voilà. Après, aussi, il y a des problèmes techniques parfois. En fait, quand on achète un, un logo en ligne sur un, un service euh, en ligne, et ben on n'a pas forcément la version euh, SVG qui permet d'avoir de, des logos qui sont resizes automatiquement. Euh, on n'a pas forcément des logos qui sont dans toutes les formes parce que souvent, en fait, on vous fournit un logo. Et moi, en fait, ben, d'expérience, ben, je vois qu'il faut quand même avoir un logo en format carré, il faut avoir un logo en format rectangle pour pouvoir l'utiliser par exemple sur les profils sur les médias sociaux voilà et après euh, ça aussi c'est souvent en fait des gens qui créent une marque et qui finalement doivent en changer au bout d'un moment parce qu'en fait ça va pas à l'international euh, par exemple il euh, y a Miko qui, euh, qui, qui qui est utilisé en France mais en Espagne, en Espagne ça s'appelle frigo euh, ça s'appelle Eskimo en Australie ça s'appelle Frisco au, au Danemark ça s'appelle Languies en Allemagne etc etc donc en fait c'est embêtant de pas avoir une marque qui qui est international. Hein. Euh, par exemple, Monsieur Propre, euh, il s'appelle Mr. Kling aux États-Unis, il s'appelle Monsieur Propre en France, il s'appelle Mr. Proper. En, en Allemagne, il s'appelle euh, Maestro Limpio euh, en, en, en Mexique, donc voilà, et Don Lipio euh, en Espagne. Donc en fait, c'est assez marrant de se dire que le nom, il doit être bien, bien sûr déclinable. Là, heureusement, c'est un nom, monsieur propre, qui peut être décliné, qui a, qui a du sens, mais parfois, c'est un peu compliqué. Par exemple, Burger King a choisi Angry Jack en Australie, qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait, quoi, voilà. Donc, autrement, on parlait des, 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 des différents logos. Aussi, il y a une tendance qui est aussi au logo qui est de plus en plus simple. Euh, si on compare par exemple le logo Heineken. Euh, d'il y a quelques années donc il y avait l'étoile rouge le, le logo etc si maintenant en fait vous allez sur le site heineken vous verrez qu'en fait l'étoile rouge elle est juste en haut et le logo avec un euh, tout en majuscule avec euh, un très carré alors personnellement je trouve pas que ce soit très bien joué de faire heineken tout en majuscule parce que ça enlève le côté un petit peu friendly de la marque et ça donne un petit peu un truc euh, un peu en, en trop au-dessus en fait ça fait un, pas très friendly voilà autre, autrement bon ça ça arrive très très souvent euh, mais on se rend compte que trop tard c'est le double sens vous n'avez pas vu un double sens et là en fait on a retrouvé avec Emmanuel quelques exemples de, de logos qui sont un petit peu ben sujet à caution et moi je sais, par exemple il n'y a pas très longtemps j'ai créé un logo enfin j'ai fait créer un logo pour enfin c'est une mascotte d'ailleurs pour une application qui s'appelle l'application cockpit pour la société Eloquent et donc en fait c'est vrai que la, la boîte qui l'a designé a fait un beau boulot c'est la, 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 la entreprise qui s'appelle la haute société à Grenoble et ils ont fait un beau boulot sympa mais c'est vrai que bah, le logo était assez sympa je le trouvais bien mais c'est ça passait pas auprès de tout le monde parce qu'il était un petit peu rose un petit peu joufflu etc et c'est vrai que euh, bah, pour moi je trouvais ça assez sympa c'était un petit un petit personnage à la Waze et, et c'est vrai que parfois certaines personnes se disent attention ça peut un, avoir un impact négatif. On a eu cette réflexion-là, par exemple au, au début de, de créer ce fameux logo, on a discuté avec donc Alain Bouvray et c'est vrai qu'à l'époque il avait créé une entreprise qui s'appelait Interview, et cette entreprise avait comme logo un espèce de chien. Et c'est vrai que euh, au début il me disait, ben bah, au début on a fait un, un animal, et on a choisi de le mettre le plus utiliser possible puisque parfois il y a des gens qui ont peur des chiens et donc en fait avoir des gens qui, est, qui ont peur des chiens et si votre logo euh, par, a ressemble à un chien ça peut poser des difficultés voilà autrement aussi une autre chose c'est que votre logo doit être euh, déclinable hein, partout souvent en fait on a pensé à un logo qui est déclinable en print mais on pense rarement à avoir un logo qui est déclinable sur les médias sociaux ou un logo qui est déclinable sur des salons donc en fait il faut être capable de pouvoir le décliner quel que soit le support ça aussi c'est des choses qui, euh, qui est important voilà Généralement, aussi un logo vieillit assez rapidement euh, au bout de 4 ans. Si votre logo eh ben, il n'a <laughs> pas bougé, c'est que ben, va falloir changer un peu les choses. Il euh, y a en fait euh, une petite illustration avec le logo Reebok. Reebok a énormément changé de logo, grosso modo. Allez, on va dire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 fois depuis, euh, on va dire, 86 quoi. Donc c'est vraiment 1986. Donc c'est comme beaucoup en 40 ans. Euh, c'est comme beaucoup beaucoup de changements de logo. Alors après Apple aussi a changé relativement peu, mais ils ont quand même changé entre 1976 et maintenant. Ils ont quand même six versions de logo. Quoi. Entre la première version qui était très euh, storytelling... Et la version un petit peu gay-friendly de 77, eh ben depuis maintenant, c'est devenu un petit peu plus, comment dire, euh, transparent. Voilà. Et c'est vrai que votre logo, en fait, il véhicule une marge, une, ma une image. Et en fait, c'est un peu comme votre ADN. S'il est un petit peu vieillot, ça donne une image vieillot. C'est un peu comme euh, si vous faites un relooking sur, euh, sur vous, regardez... Euh, Christina Cordola, ma chérie, toi magnifique. Et ben en fait, euh, vous pourrez voir que des personnes qui ont un look un peu plan-plan arrivent comme ça en changeant un peu de tenue, en ayant des vêtements un peu plus harmonieux, à trouver des trucs un peu plus sympas. Alors n'est pas forcément le cas. Hein. Vous n'avez pas besoin de changer votre logo complètement. Par exemple, ben le cas de Google. Google a très 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 peu changé de son logo. Et il reste toujours très 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 euh, comment dire fidèle à son image. Ce qui change, c'est uniquement la pouf, la police de caractère mais autrement c'est toujours un peu la même chose par contre il y a des marques comme je disais la tendance est vraiment à la simplification comme par exemple Starbucks qui a aussi beaucoup bougé dans son dans son ADN et dans son dans son logo voilà donc il faut vraiment aussi se dire qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va vouloir faire vraiment là-dedans il faut toujours revenir un petit peu à aux sources à la base de l'entreprise quand on fait un redesign de logo un redesign de charte graphique quelles sont les valeurs qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que euh, vous voulez faire. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, Bayer a racheté Monsanto qui avait vraiment et qui a une... Hyper mauvaise réputation, ils ont décidé de tuer la marque et ils ont tout à fait raison parce que cette marque-là était vraiment pourrie et associée à, à la mort. Donc en fait, pour eux, c'est tout à fait intéressant. Il faut par contre bien réfléchir au concept et comme on le disait, hein, il ne faut pas faire comme Gap en prenant un logo et en choisissant un logo qu euh, qui est un peu foireux et se dire bah, ok, de toute façon, les clients ils n'en ont rien à faire. Non, les clients ils peuvent parfois, euh, quand le logo est vraiment très très mauvais et qu'il ne véhicule pas du tout l'aspect look, l'aspect classe, et eh ben, ça peut faire très 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 mal. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à utiliser ces, euh, bah, tout ce qui est euh, comment dire, euh, principe B2C en B2B, hein, parce que ce n'est pas parce que vous êtes en B2B que vous n'avez pas le droit de faire une charte graphique originale, d'avoir une mascotte, d'avoir de la personnalité, etc. Donc, pour faire un bon brief maintenant à une agence, hein, c'est vrai qu'Emmanuel, euh, étant justement une agence et travaillant en tant que directeur de création, euh, bah on a discuté un petit peu ensemble de euh, quelques points à respecter lorsque l'on fait euh, une demande en fait, euh, de, de logo, d'identité graphique, etc. etc. Et c'est vrai que pour lui, il y, a, il y a des choses importantes à noter dans le brief. Alors, bien sûr, le brief le plus exhaustif possible, c'est un, un petit peu le rêve, mais au moins, il y a quelques éléments clés à, à répondre. Le premier, en fait, c'est l'histoire de l'entreprise, ses valeurs. Sa mission, ses dates clés, euh, les fondateurs d'entreprise, est-ce qu'il y a eu des mascottes, est-ce qu'il y a des mascottes, est-ce qu'il y a une volonté d'avoir des mascottes, euh, l'évolution des différents logos, l'implantation géographique, le business model, les points de vente, etc. Tout ce qui permet en fait de connecter. Le contexte, ensuite le positionnement de l'entreprise est-ce que c'est du haut de gamme, est-ce que c'est du bas de gamme Quel est le marché Quelle est la cible etc. Quel est le repositionnement éventuel Ensuite, le contexte bah, l'état de lieu, pourquoi euh, ça doit changer Quelles sont les volontés Pourquoi on doit le, le, le faire Où ça doit être déployé etc. La vision hein, ce qu'on va. Promettre en fait avec ce nouveau logo, qu'est-ce qu'il doit donner comme euh, symbolisme, qu'est-ce qu'il doit véhiculer. Ensuite, euh, ben, les, les personas, hein, euh, qu'est-ce que, qui sont les clients types, ça c'est vraiment important. Les outils de communication de référence, est-ce qu'on va devoir euh, modifier en fait la charte graphique et la, la déployer après sur le site web, sur les médias sociaux, sur les plaquettes, etc., etc. Donc le périmètre d'intervention, est-ce que si on va travailler sur des doc words, du content marketing. Les limites, hein, euh, les limites, ça peut être du budget, ça peut être un timing, ça peut être un salon qui va arriver bientôt. Ça peut être une date de remise de proposition, ça peut être des contraintes pour le support, ça peut être des langues, ça peut être de la propriété de la charte graphique. Hein, voilà. On ne veut surtout pas changer le vert, on ne veut pas changer la couleur, on ne veut pas changer ceci, on ne peut pas changer cela. Voilà. Les contacts pour euh, les questions éventuelles, la date de remise souhaitée, etc. etc. et pourquoi pas, ça c'est un peu plus rare, mais... Certaines entreprises, et moi j'ai déjà fait, j'aime bien en fait donner des exemples de chartes graphiques qui nous plaisent. Alors ça prend du temps pour le client, mais au moins ça permet à l'agence de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Voilà. Et surtout les concurrents. Parce que parfois en fait on va aller chercher une charte graphique, on se dit waouh, c'est génial, c'est dans l'air du temps. Sauf qu'en fait ben, le concurrent il a la même couleur, <laughs> il a la même le, le, le même type de logo, et là forcément ben, tout sera à refaire. Voilà. Généralement ce qu'on conseille c'est d'avoir un maximum de trois agences en, en concurrence parce qu'en fait créer quand même une charte graphique, une proposition, etc. Bah, ça prend du temps et euh, bah, si vous n'êtes pas transparent avec l'agence en disant bah tiens voilà euh, c'est euh, vous êtes 10 sur le, sur le dossier etc etc ben, les gens ne vont pas s'investir parce qu'une chance sur dix c'est rare. Par contre, si on leur dit, voilà, on va sélectionner uniquement trois entreprises et sur les trois, en fait, ben, on va sélectionner une, donc vous avez un tiers de chance de gagner. Donc là, tout de suite, la personne est un peu plus motivée pour faire travailler ses créatifs dessus. Voilà. Donc, plus il y aura de challenge, plus il y aura de monde, moins une entreprise performante va le faire. Voilà. On va vraiment s'investir. Moi, j'ai déjà vu hein, quand j'ai changé la marque Efficis euh, il y a 2-3 euh, ans de ça. Euh, c'est vrai qu'on avait précisé dès le départ que euh, ben, on, il n'y avait que trois entreprises qui seraient choisies. Et c'est vrai que euh, nos deux, deux entreprises, d'ailleurs, il n'y avait que deux entreprises qui ont été choisies. Euh, et il y en a une qui a vraiment traité par-dessus la jambe le, le sujet. Et c'est vrai que c'était super décevant parce qu'ils avaient bien compris les, les challenges, ils avaient fait des rendez-vous, mais ils n'avaient fait aucun effort sur la, la, la proposition graphique. Et c'est là qu'on se dit waouh, on est vraiment Super mal tombé, et on a choisi en fait une très très bonne entreprise pour, pour le faire. Voilà. Donc voilà, ce qui est important c'est euh, de réussir son brief. Euh, les erreurs, c'est ne pas être clair sur le sens, les objectifs, le contexte de la marque. essayer de faire parler son goût personnel. Dire ouais, j'aime pas le rose, ou j'aime pas les chiens, ou j'aime pas celui-ci, et puis il faut aussi oser le changement. Ça aussi, c'est quelqu'un qui, qui est essentiel. Voilà. Bon, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez hein, pas, vous avez le dossier complet sur euh, conseilmarketing.com, hein. le, le titre c'est 7 erreurs flagrantes qui montrent que vous avez besoin de revoir votre charte graphique, et vous pouvez également aller sur le site d'Emmanuel Descugy, hein, euh, -E l-e-c-u-g-y.com, et donc vous pourrez voir un petit peu son travail et ses compétences. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bye bye